L'un des engagements de mon équipe lors des élections municipales de 2014 était de rénover et agrandir le gymnase Romain Rolland. C'est désormais chose faite. Tous ceux qui l'ont connu avant ont vu à quel point sa transformation le rendait presque totalement nouveau et neuf. C'est important qu'un maire bâtisseur décide de traiter le sport au même rang que la culture. Cet équipement a bénéficié du plan de rattrapage des équipements sportifs de la Seine-Saint-Denis, initié par le ministère des Sports et le ministère de la Ville en 2011. Et effectivement, la rénovation et l'agrandissement nécessaires pour la pratique des sports collectifs ici, parce que Épinay, c'est une ville jeune, il y a 31% de la population qui a moins de 20 ans, et il fallait que cette population jeune trouve des espaces à son niveau pour exprimer leurs capacités sportives dans la ville. C'était une nécessité, ne serait-ce qu'au vu de l'augmentation du nombre de licenciés du club spinacien de basket, qui compte désormais près de 300 adhérents. Outre l'extension des deux salles d'arts martiaux, la salle de musculation et le plateau d'évolution ont été refaits à neuf. De même, les circulations, les vestiaires, les douches, les locaux techniques ont totalement été repensés pour un confort optimal des usagers. Au-delà du bâtiment, ses abords ont également bénéficié de travaux pour construire une aire de musculation de rue dans un extérieur paysager et accueillant. Là encore, il s'agit d'une promesse tenue puisque je m'étais engagé en 2014 à installer des équipements pour pratiquer la musculation à l'extérieur. Je profite de cette inauguration pour, bien sûr, remercier vivement les partenaires financiers de la rénovation du gymnase et leurs représentants. Je ne serai pas complet sans souligner la patience des associations spinaciennes, de leurs responsables et de leurs adhérents qui n'ont pas pu utiliser cet équipement pendant la durée des travaux, mais qui disposent dorénavant d'un écrin sportif à la mesure de leurs attentes. Je vous remercie.